sorte que des autres personnes qui n'ont pas eu des cuves puissent en avoir des cuves. Et ça aussi que je souhaite, c'est quand il pleut un petit peu plus à Désirade. Parce que vous savez, comme j'aime à dire aussi, à la Désirade, double insularité, mais double peine. La dame de ma préservé, donc elle a dit ça, j'ai entendu. Mais à Désirade, c'est vrai que nous sommes vraiment dans la galère. Impossible de faire quoi que ce soit sur la Désirade. Et je ne sais pas si ça va être possible, mais je verrai avec M. Davila et puis avec M. Parent aussi. Est-ce que c'est possible de mettre à Désirade l'eau agricole? Alors peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir obtenir quelque chose. Mais voilà la situation de la Désirade. Merci, madame. Nous sommes les pires. Merci beaucoup, madame Saint-Doré. C'est vrai que nos îles, que ce soit des îles par exemple, et ça souffre terriblement de cette double insularité. Mais, comme voulez-vous, le combat continue et il faut tenir. Il faut tenir. Je rappelle qu'à la Désigane, il y a également une grosse possibilité, n'est-ce pas, M. Davila, que les élus ne veulent pas travailler dessus, c'est la source. Il y a cette possibilité, mais malheureusement, je ne sais pas quelle raison, mais tout le monde bloque sur ce dossier. Je ne sais pas. Monsieur le Président, je vous laisse le soin de répondre aux plus de questions. Je réponds à deux questions. Une concernant le référendum. Ça fonctionne pas. Tu l'as fermé? Oui, là c'est bon. Je réponds à deux questions qui ont été posées, référendum et puis à l'État syrien plus précisément, qui ne croit rien de mieux et qui est en souffrance comme beaucoup d'autres. Mais ça c'est la deuxième question. La première question concernant le référendum. Le 20 mars 2021, j'ai fait signer près de 2000 personnes, 2000 monde, d'accord? Nous avons un référendum, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'a pas dit d'aller là, depuis le début, Nico Bado, jusqu'à Jordan Nico Bado, il s'est allé en Massamidi et a été au Jemel et a été au Jemel. Pourquoi? Parce que si nous avons mis des fêtes, Blinken par là, nous pas qui va mettre pour ça que le Sémona, nous les a pas qu'on fait. Ça c'est non. Parce que là, il y a une élection, c'est même nous là, qui quand je vois, dit, on fait de l'eau, on lit de l'eau, si moi je vois où il y a eu là, c'est le point de voir, nous avons fait la queue à la nuit au volant. Pour mettre à l'eau et l'eau et l'eau. Je vois bien qu'à mon période déterminée, il y a posé un candidat à l'eau pour te faire voter à l'eau pour dire que tous les jours, tous les soirs, tous les matins, tous les midis, il y a un candidat aussi de prendre la zone et de prendre la zone à la case à zone pour dire oui, on aime papa, maman, petit à vos pères, à tel, et il faut savoir du monde. Et tout le monde gagne au niveau à l'eau, et il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseiller général, il n'y a pas de conseiller régional. Nous parlons. On prend l'argent en main,
et empêcher que les problèmes là. Mais la plainte est déposée au barreau de Paris, et c'est le ministère de l'Environnement qui dit qu'elle devra empoisonner, et si nos terres sont empoisonnées, l'eau est empoisonnée. Et en cas de Mme Roselyne Bachelot, qui est ministre, dans toutes les il a encore, et c'est lui ça. Donc, il n'a pas dit pas payer sa procureuse. Et tout le monde ne doit pas payer là. Et tout le monde ne doit pas payer ce là, parce qu'il ne doit pas payer la nouvelle facture qui va vous être envoyée par le SMO, le SMEAG, domicile Jean-Luc Francis, maire de Trois-Rivières, président de la RHC. Son leader lui-même, incontournable, indéfini, et je trouve même sa famille. Son billet de cristal va être chuté un peu de gens, mais je vais réveiller un peu de gens. Mais c'est un malhonnête, et je le dis pour qu'il l'entende. Le président de CSMO a refusé de tout bord que l'usager soit dans la partie délibérante, avec les élus. Et ils ont répété les mêmes élus. Et c'est les mêmes élus que j'en ai volé maillot, tout le temps. Donc, vous voulez contourner ça. La question qui est posée pour le référendum, c'est qu'à nous plaît, faire un référendum, mais pas avec 2000 voix. On est 12 000, 15 000 personnes à travers 400 000 monde dans le pays. Pour nous dire simplement, le référendum nous plaît, alors oui et un non, n'est-ce pas, M. Dalida, en référendum, c'est par le oui, par le non. Et quand il y a un référendum pour nous, c'est tout simple. Nous avons demandé la population à voter, est-ce qu'elle vous plaît, nouvelle structure-là, ou est-ce qu'elle vous plaît pas? Parce que nouvelle structure-là, pas bon. Son nouvelle structure a les mêmes politiques qui j'ai condamné. C'est eux-mêmes qui font des gouvernements. C'est eux-mêmes qui étaient dans la CIA, c'est eux-mêmes qui étaient dans les régies et qui étaient dans les syndicats, dans les syndicats. C'est eux-mêmes qui font général des autres. Restez. Ils ont tout à acheter de l'eau à leur pacte. Ils ont tout à acheter pas de l'eau à tout le magasin. Est-ce que je n'ai pas osé ma grande partie ou mon chien? Oui. Oui, elle est déjà ouverte. Nous sommes venus. Et c'est vrai, ça veut dire là.
nous ne sommes pas responsables. Les responsables, ce sont vos politiques que vous avez mis en place. Et quand vos politiques, c'est eux qui gèrent cette manne d'argent en Guadeloupe. Alors là, j'en fais ça. Pour le moment, j'en fais ça. Pour le moment, j'en fais ça. Et si on vient de voter, vient de signer ça, le document là, ça. Vient de signer l'accord là, ça. Pour nous demander le référendum là, même là, nous avons voté pour politique. Vite de communiquer, signer. À partir de là, nous sommes obligés que l'État le doit, la région, le département, à mettre en place une structure que nous nous gagnons. Pour l'instant, c'est bavarder, nous ne pouvons pas bavarder parce qu'elle ne va pas faire aux merdes. Alors si je ne mets pas dans la main, nous, le comité là, le scénario là, il va être mis en Dieu tout le temps. Nous n'avons 400 avocats au barreau de la Guadeloupe, si ce n'est pas pour 19. Vous comprenez tout, et Dieu veut tout le monde. Pour le dossier pour défendre le comité de l'eau, y compris dans la famille. Pour le dossier pour défendre le comité de l'eau. Donc nous sommes bien allés à l'Hexagone, nous sommes bien allés au Canada, nous sommes bien allés en Amérique pour chercher un avocat pour défendre l'intérêt général à la Guadeloupe. Avec lui, madame. Yeah. Eh bien, aujourd'hui, voilà dans les conditions qu'on travaille ici en Guadeloupe. Je vais vous dire ça pour que vous puissiez bien comprendre. Quand j'avais ouvert ma gueule grandement à la cité des métiers, et j'avais dit, et qu'on avait publié sur les réseaux sociaux, Mimi, vous pouvez demander. A commissaire à la fin, cherche à savoir qui gère par en bas, parce qu'il faut comprendre tout le monde. Il voulait savoir au lendemain sans casino. J'ai dit que l'État ne paye pas, la région ne paye pas. Hein? Le trésor public n'a pas payé dans tous ces gens pas payé. En cité, cité artisanale n'a pas payé, complexe sans qui pas payé. D'accord? En cité là. La cité des dépôts municipales va payer, et les chauffeurs va payer, les bonnes matériels va payer, etc. va payer en Guadeloupe. Pourquoi c'est nous qui avons payé? Et pourquoi ceux qui ont payé pour nous donner la tête pour nous payer au parti à l'eau? Nous pas dit que nous avons payé rien. C'est ça qui est bon. Nous avons payé quoi, nous avons dit l'eau, et nous avons acheté l'eau. Mais avec la justice, avec la justice, bon, on est là, je vous m'en ai. Lui, il est là, télévision privée, sur recommandation du comité. Il est payé, il n'est pas payé. Hein? Combien de télévisions françaises et télévisions doivent voir Guadeloupe il y a où on est là? Eh bien, il n'y a pas chien parlé de la bataille aujourd'hui à la télévision et à la ni au niveau. En défaut de mon image, il n'y a pas parlé du comité de le jeune là. Sauf qu'en CI, qu'en payé. 200 euros qui passaient 3 jours de communiqué. Faut j'entendre ça, parce que c'est la gazole à payer. Je ne peux pas vous dire à l'initiative de nous, je ne peux pas vous dire à ce moment-là pour parler de nous. Toutes les télés et radios à nous, il n'y a pas de voyer côté nous, parce qu'il n'y a pas manqué l'argent à dans la fin de l'eau. Et je le dis fort, et ouais, fort, il n'y a pas une télé, il n'y a pas une radio, il n'y a pas parce qu'on vient de l'eau. Mais mon mari a tout de l'eau, on va nous et on met à manger dans cette année. Et là, on va aller voir les graves. Quand on a dit ça, nous avons 58 000 euros, IGPI, en vrai ça. Et dans les fonds, là, on va aller le juin, qui j'ai eu 58 000 euros, on a dit qu'il y a rien même. Vous avez un peu de ceci à faire, là, on va y aller. Il va parler, il va arrêter les affaires. Et bien, le ciel est là. Excusez-moi, monsieur le speaker, j'allais l'exprimer aujourd'hui. Zoni, on peut envisager. Il y a une facture. En cas, il y a une moitié, madame.
rivière de la piscine. Oh, ma mari, c'est vraiment vous qui avez le voilà, vous comprenez. Mais c'est ça le problème là. Je comprends la raison. C'est du sérieux qu'on a parlé. Mais en d'autres. Beaucoup de gens ça vous vont il va avec le camion trouver la montée à l'eau. Il cache pas de l'eau qui s'en aille à la taille pour mon café, pour parler de lui et pour mettre sur l'eau côté. L'eau en côté, il y a un moment. Allez, l'eau au milieu. Après, monsieur, là, ça, il dit 42,171,4 des hommes en 2000. Hein? Et pourquoi il y a un milieu, il va peut-être pas en aller, il va peut-être pas en aller. Monsieur, là, si on a son visite là, nous allons faire 42,000 euros. Et vous arrêtez pour les salons. C'est ça qui vous intéresse.
Alors, pour répondre à la deuxième question, ça concerne Madame de Capesterre, il y a une autre difficulté. Alors, Madame de Guadeloupe, moi personnellement, en vini à Dieu, maire de Capesterre de l'eau, en 95, j'avais demandé aux Capesteriens de voter pour moi, pour me mettre aux côtés de Joël Cogène qui était maire à l'époque. Et donc, il m'a rien de lui là, de combat de là, il m'a choisi chien là, ou même en lui. En pas touché au seul sentiment à la commune, en laissant que lui a dit que je bail, et en fouquant, parce que c'est l'eau en désir à lui défendre. Et en pas touché à l'amitié, je suis le seul élu en Guadeloupe qui a refusé de toucher les habitants de la commune, parce que j'étais venu pour travailler dans la commune et ne pas percevoir. Maintenant, monsieur, c'est au Valabar, le jour qu'il est là, il a dit à l'Assemblée nationale, il va pas compter, il va pas compter, mais je ne suis pas décidé là toujours, c'est pour oublier l'argent. Démissionner. Pourquoi ça va pas démissionner à l'Assemblée nationale? Vous servez à quoi? Vous êtes des potiches. Vous êtes des saucisses en quoi les gens. Vous êtes pas capable de dire là, vous avez décidé à l'Assemblée nationale. Les Antilles, la Paralympe, elle va arrêter. Alors, moi, je savais, madame, il y a 25 ans que je ne veux pas. Et bien, quand j'ai fait des réunions, il y a un dossier à 7700 capestériens, capestériennes qui ont monté à l'eau, à Casale. Ils ont tous mis un problème en facturation. Ils ont tous mis un problème en demande de l'eau. Alors, à Bibéré, à Monté 20, assis 7700 capestériens, on y veille à l'Ossamé au Rwanda, et le seul capestère, et c'est capestère qu'on a sorti, et il y en a des gens qui m'ont mis de moi. Il y en a une voix de moi, ou chacun de moi. Un de mes gendarmes, un de mon répond, un de mon vigile, un de mon gendarme, un de mon force, un de Dieu seul sait qui j'en veux en avoir d'eux. En quelque part, aussi. Parce que l'innombre en 2009, à présent, par même temps, il y a rien de compagnie. Il n'a disparu toujours. Et si en 2009, en dévot, au moment où je l'ai tapé, je vais pas commencer à me nommer. Parce qu'au moment où je l'ai tapé, quand ça l'a dit, j'étais le cœur. Et lui, le mandat était le porte-parole. J'étais le président. Et j'ai affronté tous ceux qui ne m'attendaient pas. André Domi, 40 jours, 44 jours, on a mis un profond ou assis, en bas d'un immeuble. C'est moi-même qui ai fait ça dans ma vie. Famille, on a fait ça dans ma vie. Bon, on a fait ça dans ma vie. Qui m'a dit quoi dans le gouvernement? Personne. En tenant mission, en assumé, en juste au bout. Je vais la journée. Mais quand tu as le combat dans le sang, tu dois te battre. Et je ne vais pas m'agenouiller devant cette population. Je ne vais pas m'agenouiller devant la garde républicaine. Je vais rester debout et avec vous. Et quand les autorités viennent, on a une photo à Lucien. Avant, il va le voir à la première page. Il a été le seul préfet à dire la vérité aux Européens. Il dit, si vous refaites une nouvelle structure avec les mêmes élus, vous allez rouler un deuxième Titanic. Oui. Ah, mais il faut voir le livre là-bas. Et ça, il a dit. Et il a dit, et il a raison. Et Jacques vient de dire tout à l'heure, cette nouvelle structure, le SNLAG, avec Francis à la tête, est déjà coulée. Et vous allez devoir payer. Mais si vous me suivez, vous n'allez rien payer. Quand on a mis la charrue avant les bœufs, pour faire un pays d'eau, il faut une eau robinière. C'est ça que je dis la loi. Ok? Parce que passer un délai de 24 heures d'eau à l'eau, à d'un compte à eau,
le contrat que vous avez avec eux est rompu. Et surtout qu'il a une autre paille, une autre affaire à tes fonds, les voyez pas procureur là. Mais dites-moi, m'a dit quoi, monsieur le procureur? J'ai pas de loi, monsieur le procureur. Et le procureur là, j'ai mis à main du bois à lui. Il dit même, pourquoi vous payez la loi, vous les familles? Ils savent pas écrire. Il paraît sa morcelle de la pompe à louer. À cause. Et voilà, au stade où on est. Mais, nonobstant que je reste responsabilisé, je reste à votre écoute. Je vous demande de rester parmi nous, de nous aider aussi. N'hésitez pas à nous appeler quand il le faut, d'être avec nous. Je suis à la Légale, j'ai vu l'histoire de la Légale en dernier. Et c'est pour ça que j'ai fait Mme Saint-Ouet venir et participer et être à nos côtés avec nous pour défendre l'île de la Légale. Car quand on parle de la Légale, nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas en vivant, si je vous dis, je vous dis, mais non, vous voyez, je vous dis, vous voyez, 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 avant de dire bon ouais, je dis qu'on mérite de l'eau pour la consommation, de l'eau potable, mais de l'eau buvable. Et nous militons et nous voulons une nouvelle canalisation de ce pays. Et en dernière phase, il nous faut le puits du même de l'eau. Je ne peux pas faire un peu de 4 euros. La marque est capée, il dit, oh, on est capée, un euro. Depuis la française de l'air royale, l'eau est à 1,15€. Il vit l'hiver avec le roi 2,25€. Et là, j'appelle les Poiriliens à monter une association pour foutre la roi royale et pour qu'ils soient avec nous et nous allons les aider. Chacun de Poiriliens qui entend le message de l'envoi, c'est de leur faire passer. Car Francis, ce que tu veux en a, sont anti-français à gibler. Et le moment qui fait des yeux, il doit. Parce que c'est vrai qu'il y avait une nouvelle monde. Mes chers amis, je pense que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais vu la tardive et là où on en est, je voudrais devoir m'arrêter. J'ai aussi l'outil sur l'eau. Et si on a des amis à l'Ibadan, je vais bien comprendre, je le dis sur l'eau. J'ai beaucoup de choses, mais je travaille. Je ne fais pas du travail pour vous. Et là, on va parler, à l'ami, on va parler à l'ami qui vient de partir. On va mettre des photos à M. et le préfet, en un journal à la main, avec mes journaux. Oui, il va foutre une dimension bien pour cette photo avec l'ami. Il faut que vous voyez la prochaine là, et là, ma chère veille, parce qu'il vient d'une illusion, et c'est ça que je trouvais là. Et vous devez imaginer qu'il n'y a pas de confiance, une pièce à conviction. Et il faut que vous voyez tout, et tout ça que vous venez en voir, encore ma chère veille, encore que vous voyez les moines, encore que vous voyez les papiers, vous voyez les papiers, vous voyez les papiers, vous voyez les papiers, que je vais voir les autres. Encore ici, la loi majeure, la loi passée par cœur. Après, il est bon, mais vous êtes voilà. Pour y condamner à payer, faut un juge condamné et voyez par le secret de l'institution de la prière en ordonnance de pays. Pour juge, pour vous, pas du majeur. C'est un petit monde qui a parlé dans le bureau, qui a volé les papiers dans notre pays. Je veux qu'un juge condamne un juge et voyez pas qu'il a donné une injonction de pays. Quand j'ai déjà envoyé une injonction de pays dans ça, vous avez encore un recours. Juge là, papa, bien. Nous payons la Hague en France et nous demandons de détourner les condamnations. Parce que juge là, il est obligé de voyer pas pour faire là. Pourquoi faire là? Et pour me la voyons dans quelqu'un, ouais, est-ce
sauver payer ça. Et par comment on a jugé là qui peut payer ce qu'il faut faire de l'argent. Tant que c'est pas comme ça, ça vient aux autres. Elles vont nous injection de payer pour nous réagir. Je ne vais pas nous mettre à les payer. C'est l'idée que j'ai envie de quoi faire. En même temps, on va nous préparer pour chaque réunion de l'année. Ça a créé en contestation. Il faut contester la loi actuelle qu'on vous a envoyée systématiquement. Si vous ne contestez pas, ça veut dire qu'on est d'accord avec le Saint-Oué. Ou quand on ne peut pas déranger les pays, il y a des normes qui sont formes de la loi. Ou quand on conteste quand même nous dans la légale, et quand vous voyez mon aide au pays, ou quand règne les pays. Et pour nous, on n'est pas fait ça nous-mêmes. Sinon, c'est nous là. Juridiquement, c'est lui qui a répondu. C'est lui qui a établi les textes, la loi. Donc, ils ont fait. Amen. Et on va parler à la raison. Et pas les parler pour le bouillon de l'eau, on va vous dire qu'il s'est fait, il va faire, il va attendre. Pour vous en comprendre, qu'à part tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on va voir dans la télévision, on va le voir, on va s'arrêter, on va le voir. Mais nous, là, nous allons réagir. Mais moi, quand même, nous va porter la mer à exciser vous. Il y a toutes ces mères-là, il y a le même lien. Tous ces conseillers-là, le même lien. Tous ces présidents-là, il y a le même lien. Il y a tout, c'est l'argent que vous êtes au prochain. Il y a tout, au début, aux élections, il y a tout à l'heure, des blocs, des blocs, des blocs, des blocs. Et c'est ça que nous avons dit, ils ont pas quoi aller toujours. Mesdames et messieurs, monsieur le speaker, j'en ai suffisamment dit. Je vous demande de vous faire le mot. Là, par où sont mes griffes. Tout. De vous mettre le mot. C'est valeureux, personne.